Bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai fait une vidéo, c'est sûr. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Roblox avec deux personnes qui, je connais même pas les noms. On se retrouve avec Fuse 7800. Non, appelle-moi une autre raison 3, c'est mieux. Non, j'ai pas envie d'être... Excusez-moi. On se retrouve avec Enzo 1303 et Petit Dinosaure, ok. Et Petit Dinosaure, Mathéo 2411, comme tu veux. Comment? Ou Mathéo 2411. Oui, pour un jeu Roblox horreur, donc que je ne connais pas, c'est justement... Nommé Spectre. Venir. Donc vas-y, explique-nous un peu le but du jeu. Alors, le jeu est... basé sur un jeu, je sais pas s'il est très connu ou connu, qui est sur Steam, c'est un jeu, je crois qu'il s'appelle Fabio, je me souviens pas trop du nom. C'est un jeu sur Steam qui coûte quand même assez cher et qui est quand même assez bien. Mais là, on est sur Roblox. Oui, voilà. Parce que du coup, c'est une version. C'est un jeu où il faut essayer de devenir. Devinez quel est le fantôme de chaque partie. Comme là, nous on va commencer en luxury home hard. Là, c'est compliqué. Alors, et on a fait quelques tests. Je tiens à préciser qu'on avait déjà fait une partie, que Petit Dinosaure s'est fait désinguer directement. J'ai même pas eu le temps de voir qui était le fantôme. Et ensuite, on a été coincé dans la salle de bain par le fantôme qui était un jean, donc je sais pas du tout ce que c'est. Je savais pas que un pantalon ça pouvait être un fantôme, enfin bref. Pourquoi toi tu voyais un pantalon toi? Non, mais enfin un jean, excuse-moi, mais c'est pour faire une blague. Mais... allez, je lance la partie. Allez, montez dans le van. Et que du coup, je me suis fait désinguer parce que Enzo m'a dit de l'éviter, sauf que j'étais pris contre un lavabo, donc je me suis fait tuer par le fantôme. En fait, il est mort à cause de moi, en fait. Ouais, votre youtubeur à 100 abonnés, il est mort à cause de moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, on est tous connectés. Ok. Alors, je prends. Vais tout voler, prends, comme d'habitude. Je prends. Non, Mathieu, je te laisse le deck lecteur. Je prends le truc pour parler et la température. Tu l'as ton bâton? Vous avez tous votre lampe? Non, j'ai peut-être pris. Prenez vos affaires qui manquent. Mathéo, prends tes affaires avant qu'on je démarre. Mais moi, j'ai pas. Mais t'as oublié de les mettre. C'est bon, tout le monde a toutes ses affaires? Bah, moi, Jeter l'ampe. Quelqu'un peut prendre le livre? Au moins, on sera tout équipé. Mathéo, qu'est-ce que tu fous? Je regarde. Regarde, qu'est-ce qu'il fout là-haut? Mais ça sert à quoi les caméras d'ailleurs? Pour voir le fantôme de plus proche. Parce qu'à des moments, le fantôme il peut passer devant. Et quand il voit une caméra, il s'arrête et il regarde la caméra pendant 5 secondes. D'accord. Alors. Et on peut l'identifier. Mathieu, prends le livre. Allez, attention, les gars, on y va. Attends, et tu vas montrer à tes abonnés, je crois, les screamers. Je crois qu'il y a un screamer aussi dans la cuisine. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est vrai que. Dans l'ancienne partie, en plus. Je vais juste vous le rappeler de la dernière partie qu'on avait fait tous ensemble. Dans cette dernière partie, je voulais montrer à votre petit youtubeur de 100 abos les streamers qui pouvaient avoir du fantôme. Et je sais pas si le jeu m'avait entendu. Le jeu m'a fait un retournement de situation. En fait, tous les streamers étaient contre moi au lieu d'être contre lui, en fait. Ça. Donc, je suis protégé contre les screamers. Alors là, je pense, je sais pas pourquoi. Allez, c'est bon. Je vais prendre le screamer. Venez là, viens voir. Les guitares vont se casser la gueule. Je sais pas pourquoi. Mais oui, ils vont se casser la figure. Ok. Qui a le détecteur pour savoir où il se trouve le fantôme? Mathieu, je crois que c'est toi. Je l'ai pas. Vas-y. Monte à l'étage, c'est où il y a le fantôme. Attends, déjà. Ok. Je vais me suicider dans ce cas-là. Allez, montez à l'étage. Moi, je vais pas monter tout seul quand même. Ça fait flipper, on est en hard. J'ai pas... Si vous voulez que j'ai une crise cardiaque. Oh, l'électricité, c'est coupé en bas. Hein. C'est coupé, ça marche pas. Mais ça marche pas. Merde, ça m'a. Ah, je crois que j'ai grillé les lumières. Oh. Ah non. Ok, première pièce. On ouvre.
Bon, par contre, si j'ai quelques frises, donc les amis, je sais pas. D'ailleurs, attendez, il faut que je vérifie. Je risque de devoir enlever FaceRig parce que bah, du coup, ça peut poser problème avec ralentissement de C'est mon quoi ordinateur. FaceTech? Vous inquiétez pas, j'ai pour objectif d'avoir un meilleur ordinateur, mais bon. C'est bon, les portes se sont tous verrouillées? Attendez, attendez. J'ai une caméra, j'ai un Non? appareil photo. Ouais, attends, c'est bon, les portes d'entrée se sont verrouillées? Et donc, ici, il y a eu du bruit. Oui, c'est un. Ah, si c'est un bruit, ça veut dire qu'il y a forte chance que ce soit un démon. Ok, Matteo, viens par ici. C'est ici où les fantômes se trouvent le plus souvent. Où? Ici. Ah non, c'est mauvais endroit, pas bon. Ok, il arrive, il vient nous tuer. Les gars, il vient nous tuer. C'est 5 ou c'est 4? Quatre. Mais en plus, il nous laisse mourir. Il va venir nous tuer. Mais On fait un arrête! Mais sacrifice. Faut faire un sacrifice. Attendez, ok, c'est un démon. Les lumières s'éteignent. Nous autres, un de nous va se faire tuer. Ok, je vais me Je sais cacher. pas si c'est le youtubeur, j'en ai marre du. Et quelqu'un? Oui, c'est là. Ouais, il a disparu. Quoi? Oui, il a disparu. J'essaie d'ouvrir la porte. Mais non, il a disparu. Oui, tant qu'on peut pas ouvrir les portes, ça veut dire qu'il est encore là. Mais quand il y a Cap. la musique. Maintenant, j'entends pas la musique, j'ai désactivé Ah, la musique. bah Mais en fait, active la pour musique, montrer c'est quoi cela, ça veut cette dire histoire? Non, je peux pas la réactiver, on peut l'activer que si avant de démarrer le jeu. Les Oh, portes mais peuvent c'est être encore idiot ouvertes. ça. Oui, mais c'est chiant, dans le lobby, il y a une musique copyright. Bah, s'il Quoi, vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? je vais essayer d'enlever ça, fermer Microsoft Edge. Peut-être que Qu'est-ce ça va me redonner des petits FPS. Mais bon, je pense qu'à la prochaine partie, je vais enlever FaceRig. Je suis désolé, les amis, mais malheureusement, ça. Mais En en fait, fait, quand il c'est y a quoi, des FaceTech? lumières. Oh, ça fait flipper! En Je fait, quand il y a viens. les lumières, ça rame, en fait, quand les lumières sont allumées. Et FaceTech, c'est quoi? C'est pour voir ton visage? En gros, c'est une animation qui prend mon visage et en fait le code sur un avatar pour pouvoir faire des réactions mais sans montrer une En fait, profondeur de attends. visage. Ça veut dire là, t'as une webcam, il prend une photo de ta bouche, il te la colle sur ton avatar Roblox, et quand tu gueules, ton avatar Roblox, il gueule. Ok, il vient de tuer, fais gaffe. Il t'a pas Il compris. Il arrive, il y a eu beaucoup de bruit et toutes les portes se sont verrouillées. Il t'a Regardez pas bien compris, en partout. fait, c'est pas sur Roblox, c'est un avatar, c'est une application sur Steam. Ah, ok. Faites gaffe, les portes arrivent, il arrive. Les portes se sont encore verrouillées. Encore une. Qu'est-ce que tu fous? Encore un. De quoi il est là? Regarde, y'a rien. Allez, open the door. Viens, j'ai pas Parce peur de toi, fantôme. il va ouvrir la porte, il va se retrouver contre le fantôme, contre le machin, il va se dire, oh purée. Ah, les gars. En fait, il est en train de nous suivre, peut-être derrière. Je peux finir par me pisser. Ah non. Qu'est-ce que tu fous? Mais attendez, c'est bon, le tableau il s'est déplacé. Quoi? Le tableau. Oui, il s'est Je vais aller déplacé. vérifier le lab. Y a pas une. On n'avait pas vu une salle de bain là-haut. Oui, il y a une salle de bain à droite et en haut à gauche. Vers la gauche. Ok, bah on va aller vérifier. La porte est encore ouverte. Là à droite, il y a une salle de bain. Et la porte était fermée et je l'avais ouverte. Ok. Ah, la lumière est éteinte. Elle est complètement. Non, ça c'est une chambre. Ok, ça Il bip. est là! Il Oui, est là! Il arrive? Il va le tuer! Ah bon. Voilà. Eh ben, il m'a tué. On se fait tuer plus facilement. Avec... On n'a rien trouvé! On sait même pas comment il s'appelle le fantôme. J'étais où là? Sinon, viens. On a la mort, on laisse son cadavre, on se casse. C'est le même type que le fantôme que tout à l'heure. Ok, moi je dis que c'est un démon. Moi je m'en fous, je dis que c'est un démon quand il y a eu le bruit. Et en plus, c'est. Oh, il arrive! Ouais, pas, il m'a Ouvre la tué, porte. hein, t'inquiète. Ok, de toute façon, tu servais pas à grand chose alors. Au revoir. On laisse ton Il cadre. prend On va même pas t'enterrer. Hein. On va même pas t'enterrer. Tu restes ici, tu Il a bouges pas. trop peur. Ok, je viens de recalibrer la caméra parce que apparemment mon avatar il regardait en l'air, mais je ne sais pas pourquoi.
Ouais. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner, j'ai entendu un bruit de couteau qui tombe sur le sol. À l'étage. Yeah. Un trou. C'est d'accord. Je crois qu'il y a une bombe qui va exploser, je sais pas. Je vois. Mais c'est il y a ah mais en fait, c'est un double étage. Les portes elles viennent de s'ouvrir. Putain, les portes elles viennent de s'ouvrir. Toutes là-bas elles viennent de s'ouvrir. Non, c'est pas moi qui l'ai allumé. Il va se faire trucider, on va rien comprendre. Non, je l'ai fermé la porte, c'est moi qui l'ai fermé pas vite. Si, celle-là, je l'ai fermée. Mais si ça se trouve, c'est moi le fantôme. Rien. Il n'y a pas de caméra, j'ai l'impression. Non.
Ouais, bah on va monter. Après cette partie, est-ce qu'on peut aller dans au jeu dont je vous ai parlé qui s'appelle The Maze? Bah oui, je suis toujours en train de record, bien sûr. Non, pour le coup, celle-là, je pense que je vais essayer de... Oh mon dieu, je viens de me faire jumpscare. Enfin, de me prendre un screamer. J'ai vu le fantôme derrière moi, j'ai cru qu'il m'avait tué encore une fois. Pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours ceux qui sont derrière qui décèdent en premier? On va se faire trucider. Oh, toujours moi qui décède. Je me suis encore fait tuer. J'ai une chaîne YouTube Enzo1303. Mais pourquoi t'avais pas dit qu'on allait faire autre chose? Eh bien, ouais. Ils ont dit que c'était un jeu d'horreur, mais franchement, même le mode hard, c'est pas franchement de l'horreur, quoi. Enfin, je me suis pris à un screamer, ok, mais disons que c'est pas vraiment impressionnant, quoi. Je connais des jeux un peu plus flippants. Ouais. Donner une note, je dirais 5 sur 10 au niveau horreur. C'est sûr que c'est bien en mode coopération et tout ça, mais que enfin, franchement, niveau détails, les fantômes et tout ça, c'est toujours le même type, enfin, ça a toujours le même look. Quand ils nous tuent, ouais, il n'y a pas de screamer quand ils nous tuent, quand on meurt juste. Disons que peut-être que les screamers ça peut fonctionner, mais à part le son, j'ai peut-être raté aussi l'effet visuel, mais après, ouais, non, je suis pas franchement convaincu par tout ça, non. Je sais pas pour vous, mais enfin, dites-moi dans les commentaires, mais après, bien sûr, ça a conclu cette vidéo horreur. Enfin, c'est censé être horreur. Mais bon, attendez-vous à d'autres vidéos, bien sûr, sur d'autres jeux Roblox ou Minecraft. Peut-être que je vais en parler pour faire une autre vidéo. Peut-être, on verra. Et bien, à plus.